j'ai ni l'un ni l'autre. C'était en 80. Alors, je vais vous demander encore si vous pouvez faire 81, 82. Appel à la chaîne, parce qu'on est bien arrivé. C'est un bon moment, hein? Ben non. Là, on est je pense qu'à l'époque, ce n'était pas encore arrivé dans la comédie. Non, ça, c'était pas en 84 que c'est non, il pleut, il neige, quand j'étais opéré, je crois qu'il pleut. Et puis, Non. Il nettoie les rues à grand nombre, parce que... C'est un peu bon, on rappelle bon. Maman, non. Oui, mais vraiment, il y a pas grand chose. Oui, sur les cuisses, il doit y en avoir. Mais là, c'était vraiment... Rémi, il était ici. Dimanche et lundi, il est rentré parce qu'il pleuvait, il en avait marre. Pas comme ça, on ne parle pas de plastique. Traditionnel, oui. Voilà, bah, alors... Non, c'est un copain. Bon, bah, c'est tout, je remonte à 10. Bon, bah, c'est tout, je remonte à 10. Ouais, c'est bon. Pour notre appartement, c'était obligatoire 12 cendriers qui ne sont pas des cendriers réclames. Quand on a été... Hein, ben oui, oui. Ah ben à l'époque, fumer, ça faisait partie de la culture. C'était obligatoire. 12 cendriers qui ne sont pas des cendriers. Ça faisait partie de la culture. C'est pas une personne qui ne faisait pas. Elle était disant, non, faire ça. Ils sont en train de tout foutre en l'air, là. Oui. Mais la rue du collège, il est volé, celle-là, ou quoi? Non. Non, elle passe quoi, là? C'était un grand carrefour, là, la fosse aux chênes. Oui, ben, mais ça va être beaucoup plus grand. Vous voyez comme quoi nous n'arrivons pas à suivre dans l'évolution des transformations. Moi, je me rappelle encore de quand j'habitais Lille, je prenais le F. J'allais jusqu'à la mairie de Lille. Ensuite, je montais la rue du collège, rue de l'Omelet. Et ensuite, je rejoignais le boulevard de Strasbourg. Et j'allais manger, je ne sais plus où, là. Chez Autocar. J'allais chez Autocar, tu te rappelles? Chez Autocar, j'allais manger. Chez Autocar et Mathilde. Et tous les dimanches, j'allais manger. Mais c'était la rue de l'Omelet, c'était une rue atroce. Hein. Ah oui. Tu rentres. On commence à manger. Oui. Allez, Corbac qui sont là. Chut. On n'a pas partir, ça. Tant qu'il y a à bouffer. Hein. Ah oui, ils ont du mal à trouver. Garçon anglais, on dit, c'est mon tour. Allez, moi, je commence. Et depuis qu'on est oublié, il y en a qui promènent, mais à la fois, tu sais. Je commence à manger. C'est quand tu leur as mis des miettes, alors? Oui, j'ai mis les miettes du gounouf sur le bord, alors là. Alors maintenant, ils descendent parce qu'ils ont vu que... Allez, maintenant, ils vont venir. Oui, il y a des points. Mais je vais prendre Lola parce que... Ouais. Lola, elle n'est pas ici, Lola. Si, si. Je pas dessus. Et on mettra dessus. Je t'en prie, on mettra dessus. Ouais. C'est plus d'un, je prends. J'ai l'habitude. Non, moi j'ai l'habitude. Combien de fois j'en mets pas. Non, je fais pas. C'est quoi ça? Je sais pas. Mais tu sais, ça sert bien même si tu en mets ça. Tiens. Tiens, Bernard. Ouais. Ouh, c'est chier avec leur truc, là, regarde ça. Terminer au bol. Cinéma, cinéma. Ouais.
Je voudrais immortaliser le codex parce que quand même. C'est... Je rappelle. Donc les Américains et les Européens. Je vois l'auteur des mille comme champ de la musique. J'en étais prévenu et je frémissais en silence. Il me reçoit d'une manière franche, amicale. Il se lève et me dit. Il suffit qu'une partition sorte de la presse aussi belle et aussi exacte qu'elle sort de chez moi. Allons nous chauffer, continua-t-il, et il ne fit qu'un pas pour nous approcher de la cheminée. Il n'avait pas de feu. Ne vous gênez pas, dit le mari. Ma femme a ses occupations. J'avais le cœur navré. Je ne vais pas cacher mon étonnement de ma tête. Je ne dis rien. L'homme qui n'est pas seul s'aperçoit qu'il se passe quelque chose dans mon lit. Non. C'est lui-même. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Ouf. Je me prends une tête.